sûrement la cordoniste qui m'a le plus émerveillé dans ma jeunesse et qui m'émerveille encore énormément, c'est Jos Baseli. Voilà, pour moi, c'est le plus grand des plus grands. Mon grand regret dans ma vie, dans ma carrière, c'est de ne pas avoir rencontré Jos. Il est parti beaucoup trop tôt. Je pense que si Jos était encore là aujourd'hui, il y aurait encore de l'accordéon à la télé, il y aurait de très très belles choses. Voilà. Donc, les nuits de nacre, c'est fantastique, mais il faudrait plein de nuits de nacre dans toute la France. L'accordéon nous manque, vous manque terriblement. Et voilà, Jos savait tout faire, savait tout jouer. Et j'ai choisi une valse qui s'appelle Géraldine, qu'il a composée avec Jackie Malray, voilà, donc, à qui je pense également. Donc, évidemment, en anthologie, c'est 51 accordonistes de légende. Donc, voilà, j'en ai pris une petite vingtaine, mais pour les 30 autres, il faudra écouter l'anthologie. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Et là, c'est Géraldine, et c'est Jos et Jackie Malray dans cette magnifique valse. Fantastique. Il est encore de ce monde, voilà. Il est souffrant, en tout cas, moi je pense très souvent à lui, c'est Bruno Lorenzoni. Là, c'est en 85, je venais de remporter le trophée Jos Baseli, donc on était le 2 février 85, le lendemain de mon anniversaire, donc j'ai gagné ce trophée Jos Baseli Junior. Et cette photo, donc voilà, je crois que c'était à Montluçon, enfin c'était à Montluçon, il y avait 2000 personnes dans cette salle et Bruno animait le bal le soir. Et je suis monté sur scène avec lui pour jouer quelques morceaux, donc voilà, donc c'était un super souvenir et en tout cas quel homme et quel personnage. Quoi. Donc voilà, et ce morceau qu'on a composé tous les deux s'appelle Cœur de Français.
donc ça c'est plutôt une très très bonne chose, et heureusement il est encore là. Donc, je pense à voilà, Daniel Cohn, je pense à cet homme qui arrive maintenant, qui a écrit aussi des choses très très sympas, et qui accompagnait, qui est accompagnateur à Chanson Chanson au tout début, avant que Zazin prenne le relais, mais le premier accordoniste et accompagnateur de l'émission La Chanson Chanson, c'était Armand Lassalle. Et donc Armand a écrit ce Comics 2000, qui est une pièce très 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 intéressante en tout cas. Donc voilà, donc voici, alors peut-être que la photo va arriver, mais dès qu'il aura fini son verre de salaire, donc... Voilà. Alors j'ai pris une photo, voilà, où il était jeune garçon, oui, ben, il est tout, oui, toujours chez Crozio. Donc Armand Lassalle, Comics 2000. Sébastien Farge, et j'ai aperçu évidemment, j'ai embrassé tout à l'heure Tommy et Maureen, mais voilà, que de grands talents, de jeunes talents à l'époque, grâce à Maurice. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être son premier capitaine des Petits Prodiges en 87, donc bientôt 30 ans. Voilà, donc on a écrit ensemble presque une cinquantaine de morceaux, donc, mais voilà, évidemment Pistolette, La Rouée, voilà, La Grande voilà. Valse, des morceaux qui sont devenus des standards. Bon, Du répertoire Musette. Donc j'ai choisi La Roulée, moi, donc, parce que j'adore ce morceau. Et c'est Maurice Larchange, évidemment. Merci en tout cas pour tout ce qu'il a fait pour les jeunes accordonistes, en tout cas. Voilà. C'est vrai.
c'est un trophée que j'avais gagné donc à Romorantin en Sologne. Et Louis Corchia, qui est très grand, évidemment, très costaud. Et moi, à côté, j'ai tout juste 13 ans aussi. Et je crois qu'on est en train de jouer justement la roulotte tous les deux. Donc voici cette roulotte de Louis Corchia.